Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal des provinces que je présente ici avec Raouda Sani. Masa al-khair, Raouda. Masa al-khair, Maji. Masa al-khair, Estada al-Mushahidoun al-Kiram. Et bienvenue à tous les téléspectateurs qui nous suivent un peu partout, dans le Tchad et surtout dans les provinces. Le gouverneur de la province du Bata, Benaïdo Tatola, a lancé ce matin, dans la sous-préfecture de Kunduru, à 30 km de la ville d'Ati, les opérations de la révision du fichier électoral. Le point avec Mamataye Dibril Alour. La ville de Kunduru, dans le département du Bata Ouest, s'est fortement mobilisée pour donner un cachet particulier à la cérémonie du lancement de la rentrée scolaire couplée au lancement de la révision du fichier électoral au niveau de la province du Bata. Pour ce qui est de la rentrée scolaire, la cérémonie a débuté par les mots du sous-préfet de Kunduru, Idriss Souleymane Bouyémé, qui a fait la situation de l'école dans sa circonscription administrative, présentant le bilan de l'année dernière. Le délégué provincial de l'éducation nationale du Bata, Mohamed Ali Nansir, a souligné pour ce qui concerne les brevets d'études fondamentales BEF de cette année, il y avait 1038 candidats inscrits. 878 candidats sont déclarés admis, soit un pourcentage de 95,010%. Résultat très satisfaisant. En ce qui concerne le baccalauréat, dans la province du Bata, pour les deux centres Ati et Oum Hadjer, 905 candidats ont composé le bac. Le résultat donne 145 candidats seulement déclarés admis, soit un taux de 29%, un résultat très faible. Le gouverneur de la province du Bata, Benaïdo Tatola, a dans son discours du lancement de la rentrée scolaire demandé avec insistance aux parents de jouer leur rôle dans l'encadrement de leurs enfants. Faisant d'une pierre deux coups, le gouverneur Benaïdo Tatola a également lancé l'opération de la révision du fichier électoral biométrique. Cette opération qui se poursuivra jusqu'au 20 de ce mois permettra aux Tchadiens qui n'avaient atteint 18 ans en 2015 d'être enrôlés. Ceux qui ont été enrôlés et qui ont changé leur résidence auront aussi la possibilité de se faire enrôler dans le nouveau fichier. Pour les délégués de la CENI, pour le compte du Bata, Mohamed Oumbadou Abdoulaye, les dispositions nécessaires sont prises pour le bon déroulement de l'opération. Il lance par l'occasion un appel aux autorités administratives traditionnelles, responsables politiques et de la société civile à apporter leur appui pour faciliter le travail des agents recenseurs qui sont déjà déployés sur le terrain. المشاهدون الكرام في كل مكان أهلا بكم في جولتنا الإخبارية لهذه الليلة وأولى محطاتنا من ولاية البطحة كما تابعتم في الصور حيث شهدت اليوم محافظة كنجرو بولاية البطحة الانطلاق الرسمية لعملية مراجعة السجل الانتخابي على مستوى الولاية وذلك بحضور المسؤولين الإداريين والعسكريين بالمنطقة وخلال إطلاقه للعملية رسميا دعوة للولاية بنايدو تتولى جميع السكان إلى الإسراع في تسجيل الحصول على بطاقة الناخب وجهتنا الآن إلى ولاية حجر لميس والزميلة مازي. Le gouverneur de la province de Hadjer Lamiss, Khawa Outmane Diame, a procédé ce matin dans la salle multimédia de la commune de Massakori au lancement de l'opération de l'enrôlement du fichier électoral. C'était en présence des autorités administratives, civiles et militaires. Gayan Ben Guéry. Une étape importante du processus électoral vient d'être franchie au Tchad et particulièrement dans la province de Hadjer Lamiss. Il s'agit de l'enrôlement du fichier électoral dont le coup d'envoi est donné par le gouverneur de la province de Hadjer Lamiss, Khawa Outmane Diame. Cette opération d'enrôlement concerne les jeunes âgés d'environ 18 ans et plus. La CENI a commencé à mettre sur pied ses démembrements provinciaux et départementaux depuis juin 2018 et communaux depuis mai 2020 afin que les Tchadiens puissent jouir pleinement de leurs droits. Le gouverneur appelle par la même occasion toutes les couches socio-professionnelles à s'impliquer pour la réussite de cette opération qui, selon elle,
revêt une importance capitale, surtout en cette période où les élections pointent à l'horizon. Hawa Othman Djamé demande enfin aux autorités administratives d'intensifier des campagnes de sensibilisation afin d'aider leurs concitoyens à accomplir leurs devoirs civiques. Très satisfait de cette mobilisation de la population, le président provincial de la sous-sénée de Hadjer Lamiss, Adum Ahmad Issa, rassure l'assistance que son équipe travaillera d'arrache-pied pour accomplir la mission qui lui est confiée. كما تفضلت الزميلة بأن والي ولاية حجر لميس السيدة حواء عثمان جامع أطلقت بالصالة الكبرى لبلدية مسكورية الانطلاق الرسمية للسجل الانتخابي، كان ذلك بحضور المسؤولين الإداريين والعسكريين والشيوخ التقليديين بالمنطقة. لازلنا في السجل الانتخابي وإلى ولاية وداي هذه المرة. Dans la province du Wadaï, les opérations de la révision du fichier électoral biométrique ont été lancées par le gouverneur de la dite province. Le point avec Ousmane Bourgaï. Cette opération de la révision du fichier électoral est la concrétisation des grands efforts que les plus hautes autorités du pays ont promis au peuple tchadien pour la bonne marche de la démocratie au Tchad. Dans son intervention, le président de la sous-sénie du Wadaï, Dr Mohamed Al-Mahdi, a dit que cet enrôlement concerne uniquement les citoyens ayant atteint la majorité après le recensement électoral de 2015, ceux qui ont recouvert leurs droits civiques au sens de la loi, les citoyens qui ne se sont pas inscrits en 2015, ceux qui ont changé de résidence et les citoyens enregistrés de manière incomplète en 2015. Le délégué de la CENI du Wadaï, Youssouf Abba Ali Salah, a laissé entendre que la CENI a mis tous les moyens nécessaires pour la réussite de cette opération de grande envergure. À cet effet, Mohamed Abba Ali Salah a demandé à tous les citoyens concernés par cet exercice de se faire enrôler massivement pour la bonne marche de la démocratie au Tchad. Après avoir été enrôlé, le gouverneur de la province du Wadaï, Ibrahim Seyd Mahamat, a livré ses impressions en ce terme. J'invite tous les citoyens de la province du Wadaï qui sont concernés, je dis bien qu'ils sont concernés par cette révision du fichier électoral, de venir se faire recenser. Présent à la cérémonie, le conseiller à la présidence de la République, Aliou Abdoulaye, s'est dit heureux du lancement des opérations de la révision du fichier électoral et demandé à la population de se faire enrôler massivement. وفي سياق متصل انطلقت صباح اليوم بمدينة أبشة حاضرة ولاية وداي عملية السجل الانتخابي للإحصاء الرقمي. أطلق العملية مندوب اللجنة الانتخابية بالولاية وبحضور والي الولاية وعدد من المسؤولين بالمنطقة. زينب الطيب محي الدين والتفاصيل. الأول من أكتوبر هو التاريخ الذي أقرته اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة سيني لبدء عمليات التسجيل للإحصاء الرقمي، وعليه فقد أطلق مندوب اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بوداي يوسف أبا صلاح عملية السجل الانتخابي بالولاية. رئيس اللجنة الانتخابية المصغرة الدكتور محمد المهدي أحمد قدم كلمة رحب فيها الحضور، وقال أن هذا الحدث جاء بجهود من السلطات العليا بالبلاد وذلك من أجل الديمقراطية الحرة في تشاد. وهذا الإحصاء يقص المواطنين الذين بلغوا سن 18 وكذا التشاديين العائدين من مناطق مختلفة، حاسا إياهم بالتقرب إلى مكاتب التسجيل لإحصاء أنفسهم، مناشدا جمعيات المجتمع المدني والصحافة والأحزاب السياسية بالمساهمة في توعية المواطنين. كما طلب من العاملين في قطاع التسجيل الانتخابي تسقير قدراتهم لرفع تحديات العمل. يوسف أبا صلاح مندوب اللجنة الانتخابية المستقلة بوداي أثناء كلمة الانطلاق الرسمية لعملية السجل الانتخابي أكد على استكمال الاستعدادات مسبقا وكذا جاهزية العاملين في القطاع، وبهذا أعلن بداية الانطلاقة الرسمية لعملية السجل الانتخابي بالولاية. وبعد عملية التسجيل صرح حاكم ولاية وداي عن شعوره. كل مواطن تشادي له حقوق، وزي ما عارفين أنا يعني من ضمن الناس اللي بخصهم الريسونسمان ده، لأن أنا كنت في 2015 ريسونسي في جمينة
وهسه انا والي هنا في دار ودايه. اذا دار ريفيزيون انا الفيشي وانا من الناس اللي انتقلوا من منطقه لمنطقه. كما عبر رئيس البعثه لعمليه التوعيه للاحصاء الانتقابي بودايه المستشار علي عبد الله عن انطباعاته. طبعا شعور ارتياح لان دي عمليه مهمه جدا جدا بالنسبه للانتخابات. نتمنى انه كل الناس المعنيين بهذه المراجعه يمرقوا كتار عشان يسجلوا. وتجدر الاشاره بان اول عمليه تسجيل الانتخابات بدات بتسجيل والي ولايه وداي الجنرال ابراهيم سعيد محمد. Après l'Ouaday, nous allons nous rendre à Koumra où le gouverneur de la province du Mandoul a procédé à la cérémonie du lancement, officiel de l'opération de la révision du fichier électoral. Djitangé Félix. C'est le troisième arrondissement de la commune de Koumra qui est choisi pour le lancement officiel des opérations de la révision du fichier électoral. Le délégué de la CENI nationale du Mandoul, Gomong Bagiri, a précisé qu'il ne s'agit pas d'un recensement général, mais d'un recensement partiel qui ne concerne que ceux qui n'ont pas été enrôlés en 2015, ceux qui atteignent l'âge de 18 ans en 2020, ceux qui n'étaient pas au pays pendant l'enrôlement écoulé et ceux qui ont changé de domicile ou perdu leur carte d'électeur. Lançant officiellement l'opération de la révision du fichier électoral, le gouverneur de la province du Mandoul, Mme Diamra Betolngar, appelle toutes les corporations socioprofessionnelles à plus de mobilisation pour un enrôlement massif, seul moyen d'exprimer son droit de citoyen par le choix de son candidat en toute liberté, a-t-elle soutenu. Juste après cette cérémonie, la première personnalité de la province du Mandoul, Mme Diamra Betolngar, a remis des vivres aux 200 personnes vulnérables. Il s'agit des veuves, personnes handicapées et personnes âgées. Cette remise de 200 sacs de 100 kg de maïs aux personnes démunies s'inscrit dans la politique sociale du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno pour le bien-être des couches vulnérables. Les bénéficiaires ont à cet effet exprimé toute leur reconnaissance au gouvernement pour cette action salvatrice. تشاهدون نشرة الولايات من الفضائية التشادية وأخبار السجل الانتخابي. أطلق رسميا والي ولاية بحر الغزال الجنرال رمضان إردبو عملية مراجعة السجل الانتخابي بالولاية. المناسبة جرت بحضور وفد حركة الحركة الوطنية لدعم الإحصاء الانتخابي بقيادة وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة وكذا مندوب اللجنة الانتخابية المستقلة إلى ولاية بحر الغزال. خالد موسى الحاج والتفاصيل. بحضور وفد الحركة الوطنية للإنقاذ القادم إلى مدينة مصورو لدعم عملية الإحصاء في ولاية بحر الغزال بقيادة وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السفير شريف محمد زين، أطلق رسميا حاكم ولاية بحر الغزال الجنرال رمضان إردبو عملية مراجعة السجل الانتخابي. وأوضح حاكم ولاية بحر الغزال الجنرال رمضان إردبو أن عملية مراجعة السجل الانتخابي التي ستبدأ اليوم هي عملية تخص فقط بعض المواطنين الذين بلغوا سن 18 منذ العام 2015 وكذا الذين لم يسجلوا منذ ذلك التاريخ والذين انتقلوا إلى دائرة انتخابية أخرى. وطلب من المشرفين على العملية إجراءها بكل ديمقراطية وشفافية وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو. نعيم أحمد بابا عضو اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة المبعوث إلى ولاية بحر الغزال تحدث عن أهمية مراجعة السجل الانتخابي وحدد من هم المعنيون بهذه العملية. منظمات المجتمع المدني على لسان ممثلهم أيضا أبدوا استعدادهم لتقديم دعمهم اللامحدود لهذه العملية. وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السفير شريف محمد زين بعد تسجيله في مدينة مصورو قدم رسالة إلى المواطنين لحثهم على الإقبال على التسجيل. مبسوط وفرحان جدا بحضوري في انطلاقة الرسمية لمراجعة الإحصاء 2015
وكابن من هذا المنطقة لقيت فرصة نعمل عرولما هني، وهذا شيء مبسوط جدا. وزي ما تعرفوا هذا عملية مهمة جدا لكل التشادين اللي عندهم 18 سنة وفوق، فهذا شيء مهم سياسيا وفي كل مجال، علشان انت لو عملت الإحصاء تقدر تشترك في الانتخابات الرئاسية، الانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية. علشان كده يعني ننادوا لكل شعب ولكل الناس المتخصصين، خاصة الدعابة اللي جوا 18 سنة أو في 2015 ما لقوا فرصة عمل الإحصاء، عشان يعملوا إحصاء. كما أبدى الوفد السياسي القادم لدعم عمليات الإحصاء أبدى جاهزيته في التوعية والتعبئة من أجل نجاح عملية مراجعة السجل الانتخابي في بحر الغزالة. عملية مراجعة السجل الانتخابي تنتهي في 20 أكتوبر 2020. Le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terab, a présidé au lancement de la révision du fichier électoral à Mao. Il sensibilise par la même occasion à se faire enrôler. Le reportage de Omar Mamat Warouf. Outre le gouverneur du Kanem, Hassan Terab, la cérémonie a vu la participation de Sa Majesté le Sultan du Kanem, Alifa Moutaz Zerti, des membres du bureau politique national du MPS venus pour la circonstance, des anciens ministres de la province, mais surtout des militantes et militants des différents partis politiques. C'est la cour du Sultanat du Kanem qui a servi de cadre pour ce lancement. C'est l'occasion du président de la Soussénie provinciale, Ahmad Mahamad Seyi, de dire que ce processus permet d'assainir le fichier électoral afin d'organiser des élections libres et équitable prônée par les hautes autorités du pays, ayant à leur tête le maréchal du Tchad, le président de la République, Idriss Déby Itno. Pour le délégué de la CENI, Mungrang Bang Célestin, la révision du fichier électoral n'est pas un recensement en soi. Cette opération concerne une catégorie de personnes bien distinctes. En lançant les activités, le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terab, a dit que depuis l'avènement du 1er décembre 1990, la démocratie n'a cessé de s'enraciner par la volonté du maréchal du Tchad, le président Idriss Déby Itno. De se faire recenser. Les gens qui étaient déchus de leur citoyenneté pour des raisons de condamnation et qui ont recouvré également leur liberté peuvent également se faire enrôler. Les gens qui n'ont pas participé, qui n'ont pas été inscrits sur le premier fichier de 2015, peuvent également saisir cette occasion pour se faire recenser. En rappel, la révision de la liste électorale concerne les citoyens qui n'avaient pas atteint l'âge de 18 ans lors des enregistrements des fichiers passés. À présent, nous allons nous rendre à Mundu, où le secrétaire général de la province du Logon occidental a donné le coup d'envoi de l'opération de révision du fichier électoral à Mundu. Reportage Amat Alissène. Le coup d'envoi de l'opération de révision du fichier électoral dans la province du Logone occidental a été donné en présence des représentants de toutes les sensibilités. Leur présence dénote de l'intérêt qu'elles attachent aux activités de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le président de la Sous-CENI provinciale du Logone occidental, Mbaye Aoussem Majikidoubou Siméon, rassure l'opinion que la Sous-CENI a pris toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer la sérénité de l'opération en termes de ressources humaines et matérielles. Pour sa part, Amina Koudiana, chef des missions de la CENI, renseigne que la Commission électorale nationale indépendante lance l'opération de la révision du fichier électoral biométrique du 1er au 20 octobre 2020 dans l'optique de disposer d'une liste électorale pour les élections de 2021. Nous exhortons tous les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, et toute la population de la province du Logone occidental à consentir plus de sacrifices afin que nous puissions parvenir au résultat escompté. Dans son discours de lancement, le secrétaire général de la province du Logone occidental rappelle que le gouvernement du Tchad, sous l'impulsion du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a inscrit parmi ses priorités l'organisation des scrutins présidentiels, législatifs et locaux comme levier d'une démocratie dynamique et agissante pour notre pays, le Tchad.
je lance un pressant appel à l'endroit de tous les concitoyens qui remplissent les conditions requises, habitant en quelque endroit que ce soit, de se faire enrôler pour n'avoir pas à regretter de ne pouvoir voter afin de choisir celui ou celle qu'il désire bien. Après la cérémonie du lancement officiel de l'opération de révision du fichier électoral, les autorités ont visité un centre d'enrôlement pour encourager les agents enrôleurs. من مدينة مندو وأخبار مراجعة السجلات الانتخابية إلى مدينة مصرو حيث شهدت ساحة الاستقلال بمدينة مصرو حاضرة ولاية بحر الغزال لقاء جماهيريا ضم جميع مناضلي ومناضلات حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بالوفد الذي يترأسه السفير شريف محمد زين وذلك لدعوة المواطنين بالمنطقة للمشاركة في عملية مراجعة السجل الانتخابي خالد موسى الحاج والتفاصيل. عشية الانطلاق الرسمية لعملية مراجعة السجل الانتخابي في ولاية بحر الغزال، عقد وفد الحركة الوطنية للإنقاذ بقيادة السفير شريف محمد زين لقاء جماهيريا حاشدا بساحة الاستقلال في مدينة مصرو. اللقاء الجماهيري جاء لحشد وتعبئة المواطنين للإقبال على عملية الإحصاء البيومتري. المتداخلون الواحدة والآخر الأمين التنفيذي الولائي للحركة الوطنية للإنقاذ ورئيس لجنة التوعية والتعبئة والإعلام محمد أمين عبد الرسول وعضو المكتب السياسي الوطني للحركة الوطنية للإنقاذ الدكتور محمد طاهر النهار ورئيس المجموعة البرلمانية للحركة الوطنية للإنقاذ علي كلوتو تشايمي ركزوا جميعا على أهمية مراجعة السجل الانتخابي وحثوا المواطنين على الإحصاء الذي يضمن لهم ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات المقبلة. حاكم ولاية بحر الغزال الجنرال رمضان إردبو أشار إلى أن مراجعة السجل الانتخابي سيسمح للجميع الذين بلغوا سن 18 وكذا الذين لم يسجلوا في الإحصاء البيومتري بالتسجيل على القوائم الانتخابية، وشدد الحاكم على احترام الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا أثناء إجراء عملية مراجعة السجل الانتخابي. رئيس وفد الحركة الوطنية للإنقاذ لولاية بحر الغزال السفير شريف محمد زين ناشد الجماهير الحاشدة خاصة الذين بلغوا سن التصويت وأولئك الذين لم تتح لهم فرصة التسجيل البيومتري في العام 2015 بالانخراط في تسجيل أنفسهم على القوائم الانتخابية لكي يتسنى لهم الحصول على بطاقة الناخب ومن ثم الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات القادمة. تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الجماهيري شهد تقديم شهادات شكر وتقدير إلى عدد من الشخصيات البارزة من المسؤولين ومن القيادات السياسية من أبناء المنطقة، وذلك نظير ما قدموه من خدمات لصالح ولاية بحر الغزال. Lancement de la campagne nationale de sensibilisation sur la révision du fichier biométrique électoral et d'inscription sur la liste électorale AFADA. Cette rencontre de sensibilisation est présidée par le secrétaire général de la province de l'Enedi Ouest. Le reportage de Omar Tidjani Mamat. Le secrétaire général de la province de l'Enedi Ouest, Jean-Claude Daoulna, a lancé la campagne nationale de sensibilisation sur la révision du fichier biométrique électeur et l'inscription sur les listes électorales. C'était en présence des autorités administratives, civiles, militaires, les délégués provinciaux et les leaders religieux. Dans son intervention, le président provincial de la SOSENI de l'Enedi Ouest, Adam Toke Eli, a dit que la révision du fichier électoral est une étape très importante pour la population en âge de voter. Pour le chef de mission de l'agence de communication Nemetek, Mamat Amat Elou, la réussite de cette opération de révision du fichier électoral prévue du 1er au 20 octobre 2020 nécessite l'implication de tous les acteurs afin de sensibiliser la population sur l'importance de cet événement. En lançant cette campagne de sensibilisation, le secrétaire général de la province de l'Enedi Ouest, Jean-Claude Daoulna, a souligné que la province de l'Enedi Ouest partage entièrement l'importance que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, accorde à la révision du fichier électoral. La province de l'Enedi Ouest, dans son ensemble, partage entièrement l'importance que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, accorde à la révision du fichier électoral dans notre pays
afin de permettre à tous les Tchadiens en âge de voter d'exprimer leur voix lors des prochaines élections présidentielles, législatives et locales qui pointent à l'horizon. Et enfin, le secrétaire général de la province, Jean-Claude Dolna, a salué le partenariat de CENI et l'agence de communication Nemetec qui a permis d'organiser cette campagne de sensibilisation et d'information. من فدى والسجل الانتخابي إلى أم جرس السجل الانتخابي أيضا حيث انطلقت عملية مراجعة السجل الانتخابي بمدينة أم جرس حاضرة ولاية إنادي الشرقي كان ذلك بحضور عدد كبير من السلطات المحلية ورئيس لجنة التوعية الانتخاباتي بالولاية زكريا يحيى زكريا والتفاصيل. عملية مراجعة السجل الانتخابي التي انطلقت بجميع ولايات البلاد 23 انطلقت هنا بأم جرس حاضرة ولاية إنادي الشرقي أيضا، وقد شهدت الانطلاقة اهتماما بالغا من السلطات المحلية وجميع فئات المجتمع. عمدة بلدية أم جرس ورئيس لجنة التعبئة والتوعية عبود هاشم بدر رحب بالبعثة التي قدمت من أنجمينا وأكد استعداد وتعاون المواطنين بالولاية في هذه العملية. مندوب السيني بإنادي الشرق محمد جمال عبد الله شرح للحضور من يمكنه التسجيل في القوائم ومن لا يجب أن يسجل. هؤلاء الأخيرين هم من غيروا مكان الإقامة أو لم يبلغوا سن 18 أو لم يتمكنوا من التسجيل لسبب أو لآخر بحسبه. ممثل المكتب السياسي الوطني تيجاني كايبرو شجع المواطنين على التفاعل والتسجيل في القوائم بغية إنجاح العملية في الفترة المحددة لها وهي من الأول من أكتوبر وإلى 20 من نفس الشهر. الأمين العام لولاية إنادي الشرق محمد علي عبد الكريم ممثلا للوالي دعا قادة الرأي والمسؤولين العسكريين والمدنيين تكثيف التوعية وحث من لم يسجلوا في العام 2015 وأدركتهم الفرصة الآن، وأضاف بأن الديمقراطية التي تنعم بها البلاد لم تأتي إلا بفضل تضحية الرجل الأول من ديسمبر مشير تشاد إدريس دابي إتنو، مؤكدا دعم إدارته للبعثة والعاملين معها. وعقب ذلك قام ممثل الوالي بإجراء مراجعة السجل الانتخابي الممهدة للانتخابات المقبلة بالبلاد والتي تلوح في الأفق. Le gouverneur de la province du Mandoul a remis des prix d'excellence aux meilleurs lauréats du baccalauréat et du BEF session 2020 du Mandoul. Le reportage de Ditaïngé Félix. 154 mentions bien et assez bien, toutes séries confondues de baccalauréat session 2020 et 30 filles ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 16 au BEF au titre de l'année scolaire 2020 ont reçu le prix de l'excellence du gouverneur de la province du Mandoul, Diamra Betolga. Le maire de la ville de Koumga, Guidimbaï Majiro Christian, et le président du comité d'organisation, Oumarou Sanda Makache III, ont remercié toutes les sensibilités ayant contribué à la réussite de cette organisation première du genre réalisée dans la province du Mandoul. Le gouverneur de la province du Mandoul, Mme Diamra Betolga, a dans son adresse signifié que cette satisfaction par rapport aux résultats excellents de ces jeunes mérite d'être manifestée pour une référence dans l'histoire du Mandoul. Elle estime qu'on ne doit pas passer sous silence cette audace et cet engagement du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, à sauver contre vents et marées l'avenir de toute une jeunesse. Diamra Betolga a en outre demandé aux meilleurs lauréats de redoubler d'efforts jusqu'au bout de leurs rêves afin d'être compétents et capables de participer activement au développement de notre cher pays, le Tchad. من ولاية مندول وجائزة التميز للفائزين في امتحانات الشهادة الثانوية إلى مدينة أبشة حيث أطلق صباح اليوم الأمين العام بولاية وداي محمد صالح خيار أطلق امتحانات الدخول إلى معهد إعداد المعلمين العالي فرع أبشة. النظيف عبد الكريم عبد الله والتفاصيل. 497 تلميذ من معهد إعداد المعلمين للمرحلة الابتدائية جلسوا لامتحانات التخرج وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كوفيد-19 إلى جانب طاقم مندوبية التعليم وترقية المواطنة بوداي. الأمين العام لولاية وداي محمود محمد صالح هيار
فتح ظرف الامتحانات ودعا التلاميذ بالهدوء التام والتركيز على فهم الأسئلة قبيل الإجابة عليها، مؤكدا أن سياسة الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية المارشال إدريس دبي إتنو تسعى لرفع سقف مستوى تعليم الأساس، وذلك عبر وسائل مختلفة، مشددا على المواصلة في تطبيق كافة القرارات الوقائية حتى النهاية. وتجرى هذه الامتحانات عن مدة أقصاها 3 أيام. وللتنويه، 9 مواد يمتحن عليها التلاميذ على غرار الجدول المحدد. Et c'est à Béché que nous mettons fin à ce journal des provinces. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Télé-Tchad. Bonsoir. ختام جولتنا الإخبارية لهذه الليلة عبر الولايات، تقبلوا تحية مني في تقديم وتحية زميلتي، ولا ننسوا تحايا فريق العمل. تصبحون على ألف خير.